Depuis 2019, elle apporte de la lumière dans un si grand soleil. Interprète de Johanna Lemmer, Aurore Del Place a réussi à se faire une place de choix dans le célèbre feuilleton de France 2. Côté vie privée, la jolie Belge vit également des jours heureux en compagnie de son chéri depuis de nombreuses années, Kevin Levy. Depuis 15 ans, les deux tourtereaux vivent en effet une belle histoire d'amour. Tous deux comédiens, ils se sont rencontrés dans une école de comédie musicale à Paris. On a fait notre première scène ensemble et on est tombé amoureux, avait confié Aurore Del Place dans un entretien accordé à Télé Loisirs, encore totalement sous le charme de son compagnon, qui profite aussi de ses talents d'humoriste pour lui faire garder le sourire, si est-il un super artiste au talent à ne plus finir qu'on ne connaît pas assez. Il me fait hurler de rire 24 heures sur 24. Alors qu'elle indiquait à nos confrères qu'ils pensaient à fonder une famille, les deux artistes ont finalement sauté le pas il y a peu de temps. Aurore Del Place et Kevin Levy ont accueilli leur premier enfant le 8 octobre 2021. Aurore Del Place a en effet donné naissance à son premier enfant, un petit garçon prénommé Aaron. Quelques jours après, la comédienne avait annoncé la grande nouvelle sur son compte Instagram. Pour l'occasion, elle avait publié une vidéo humoristique dans laquelle elle se filmait avec Kevin Levy, comme s'il parlait à leur fils. Le 8 octobre, je suis devenue maman. Il est devenu papa. Aaron est enfin là. Cette tempête d'amour inconditionnel est incroyable. Kevin Levy, je t'aime à l'infini. Enfin, presque autant que ton fils, avait ajouté en légende la comédienne d'un si grand soleil. Le couple avait ensuite décidé de partager une photographie de leur nouveau-né en prenant soin de ne laisser apparaître que sa bouche et une de ses mains.